Hey, salut tout le monde! Grapha est de retour. Je sais même plus faire d'intro. Ah, Mais. tu plantes un peu sur l'intro. Oh, comme d'habitude. Bon, bah, on est reparti pour un tour, hein, après le gangbang du deuxième épisode. Donc là, on est au troisième, il me semble. On n'a pas eu une mort entre deux, donc on est allé chercher beaucoup de bois. Beaucoup de bois. Beaucoup de bois, donc là, on a les 6 stacks. Je récapitule un peu. J'ai été chercher beaucoup de bois. Oui, j'ai rien dit. Moi, je suis allé chercher toute la nourriture, donc là, bon, les patates, j'en ai pas beaucoup parce que je les ai replantées. J'ai recherché de la nourriture, donc on a un peu de carottes ici, on a pas mal de blé. Le blé va servir pour aller chercher les animaux, donc on va aller les chercher après tout à l'heure. Je vais commencer à faire une zone arboricole. Bon, ça, par contre, on pourra pas faire. Ah oui, j'avais dit tout à l'heure, Max, ce qu'on devrait faire, c'est des bâtons, hein, des bâtons. Ah, des bâtons, des allumettes. Ça s'appelle des torches. Non, faut des allumettes, parce que c'est du bâton et ça brûle. Alors pour ça en fait il faudrait que tu arrives à choper mais ça en dehors ça va être un peu chaud quand même. Alors là je fais une zone arboricole parce que ça c'est tout le bois, c'est toutes les pousses que Darblord a ramassées. Bon après les millions de fake que nous avons fait depuis deux épisodes là. Un fake, un fake. Fail, fake, c'est pareil. Tout fait un fake et un fake, c'est pas la même chose. Voilà. Donc en temps normal on devrait. Le temps. Alors cette vidéo, je vais essayer de poster là pour parce que là j'ai fait un enchaînement de trois vidéos, c'est ça? Trois vidéos à peu près, on va essayer qu'il soit un intervalle de 2 à 3, 4 jours, je sais pas exactement. Si j'arrive à en faire un, parce que je peux faire ça que le week-end quand une semaine sur deux. À mon avis, Dargod aura peut-être aussi des petits problèmes sur le côté, donc ouais, je pense tous les 4 jours. Comme j'ai deux épisodes, après je me ferai moi-même des épisodes moi-même, tout seul. Bon oui, entre deux, il y a Darblo qui s'amusait à enlever toute l'herbe parce que ça, il aime pas l'herbe. Il aime pas l'herbe. Mais j'aime pas l'herbe, j'aime pas les mauvaises herbes. Tout doit être parfait chez moi, tout doit être Et il bleu. continue en plus. Tout doit être bleu, tout doit être lisse. Il n'y a même pas une pâquerette qui doit dépasser. Donc bon, là, j'ai pas récupéré cela, je crois Herbe, pas. qu'est-ce que je fais avec une marguerite? Mais voilà, j'ai récupéré tout ce qui était nourriture. Ah, génial, des vaches là-bas. Donc je vais tout de suite faire un enclos. Je vais améliorer la maison après, si on a le temps, durant cet épisode. Bon, je pense que l'âge de cube, il va encore durer encore un épisode après, je crois, à peu près. Vous n'avez pas amélioré nos maisons aussi. Si, mais ça, je pense que si j'arrive pas à faire ça pendant cet épisode-là, donc l'épisode 3, je pense que je vais la faire à l'épisode 4. Si tu veux commencer à améliorer ta maison, tu peux, hein, il n'y a pas de problème. J'ai pas de bois. Le bois est dans le coffre. Il y a encore des bûches qui n'ont pas été faites. Enfin, enlevées. Alors, je vais prendre à peu près. Bon, allez, pouf, je cherche pas. J'ai fait une erreur. Tant pis. Le fail. Alors, ça fait 32. Ce sera peut-être pas assez. Allez, ça fait 34. On va rapidement se faire un enclos. L'enclos, on va le mettre à côté ici. Alors, comme on peut pas faire de saut pour pouvoir faire amener de l'eau, c'est un peu pénible. Mais je vais essayer de. Oh, bonne pioche! Je vais essayer. Ah, ouais, d'accord. Donc, t'es vraiment en train de tout faire. Légèrement. Ça aussi d'ailleurs c'est un objectif où il faut avoir tous les matériels de stuff, disons ça comme ça, en bois possible. Et on va mettre ça. C'est pour Voilà, ça si tu veux, j'ai la pioche, la houe, la pelle, la hache, l'épée. Bon, ça devrait aller. Est-ce que je peux enlever des carrés de pousse moi pour améliorer ma maison? Ouais non tu dois enlever de toute façon, t'es obligé un peu d'enlever ta carotte, enlever toutes tes carrés de bouse et améliorer avec le Ah, bois je que vais tu as. tout enlever! Bah tu vas pas laisser la bouse pour une maison quoi. Ouais c'est vrai. Et après par contre faudra peut-être un peu aller chercher encore un peu de bois, je sais pas si on aura suffisamment. T'inquiète. Déjà j'enlève toute la bouse qui me sert
sert à rien. Alors moi par contre il y a un truc à faire en promo. Alors déjà, si c'est... Mais suis-je bête? J'ai une bête pour ça. Alors par contre moi j'ai bien sûr ma maison de base que j'ai déjà un peu l'idée en tête. Je vais rechercher un peu de bois. Alors bien sûr il a pris le mauvais bois mais c'est pas grave. Il m'a dit de prendre du bois donc j'ai pris du bois. Mais faut laisser les personnes là où elles doivent être. C'est-à-dire? C'est la deuxième fois que je dis ça en deux épisodes. Merci public. On n'est pas dans la merde. Ouais tout à fait. Non mais ça c'est en regardant trop de vidéos de Minecraft. C'était je crois une blague de... Ah mince. C'était pas Frigiel et Sifano qui disaient ça? Je crois que c'est ça. Alors oui, je dis souvent je crois parce que je ne suis jamais sûr de ce que je dis en fait. Je sais même pas. Et ça c'est un gros problème. Bah ouais parce que je dis tellement de la mince. La mince. Oh. Bon j'ai trois vaches. Tous ces carrés de pouces, hein, plus en plus j'ai cassé ma pelle. C'est normal, en même temps, une pelle en bois, tu prends pas grand chose avec. Alors ça c'est quelque chose qui sera très important, c'est les vaches, parce que bon là on n'aura pas trop besoin je crois pour la période de bois, cuire, faire le stuff, on n'a pas besoin de faire le stuff, heureusement pour nous. Par contre c'est au prochain qu'on a besoin du stuff de cuir. Stuff de cuir. J'ai déjà perdu une vache. Ah non, il est derrière, je l'ai pas vu. Wouhou! Bon. Sinon, t'as prévu quoi comme vidéo Darkblood prochainement? Prochainement, alors. Déjà, je pense que là, justement, aujourd'hui, j'ai reçu le reste des câbles pour mon Evermedia Live Gamer portable. Oh! Donc je pourrais peut-être l'utiliser, sur le problème c'est que j'ai tenté d'utiliser sur mon PC et j'ai un seul souci, c'est qu'en fait, quand je commence à enregistrer, il prend que l'écran de mon bureau. Mais il prend rien d'autre. Ah ouais. Donc du coup, j'essaie de voir si je peux essayer de trouver si c'est un problème au niveau des réglages. Au niveau des branchements, bah, y a pas de souci. J'ai branché comme il le fallait. Et c'est peut-être au niveau des réglages, il faut que je règle, sinon je pense que je vais devoir utiliser tout le temps des logiciels pour le PC. Et mon live gamer portable, ça sera que pour les consoles. Ok. Ah voilà, j'ai une petite vache avec. Donc on va attendre d'avoir un peu plus. Alors il commence déjà à faire nuit, donc comme vous avez repéré, on est vraiment des bouses de la nuit, on se fait tuer tous les 5 minutes. Bon, je vais faire une ellipse 5 minutes, donc à plus. Bon, désolé pour la coupure instantanée, l'ellipse du miracle. Petite erreur, et déjà la vache qui s'est enfuie, c'est en train de se suicider, c'est déjà génial. Et ben elle est morte, et on a du steak cuit. C'est pas comment on fait un escalier. Un escalier? Bah j'aimerais faire un tour, pour que ce soit un minimum présentable pour ma maison. Oh, waouh! Ah ouais, t'as fait ça pendant l'ellipse? Bah quand même un petit peu. Sympa. J'ai vu que t'avais touché un peu à tout au niveau ellipse. Ça va. Alors pour faire des escaliers, bah tu vas sur la table de craft. Bon, j'en ai pas, je vais en poser une. Ici, t'as qu'à descendre. Qui s'est écrasé au sol, génial! J'ai même pas vu que j'avais plus de vie. Bon, moi je vais commencer un peu à détruire ma maison. Alors, oui, les vaches. Je récupère ce que j'ai perdu en passant. Ils sont en train de se repeupler, j'essaye de repeupler les vaches. Sur le coup de vie, ils sont en train de se repeupler! Parce que nous avons besoin d'énormément de vaches pour pouvoir ranger. Oh l'arnaque! Quoi? Tu vois ce que j'ai posé au sol? Ouais. Des plaques de pression? Bah ouais. Bah quand je veux poser un truc dessus, ça le pose au-dessus? Bah ouais. Mais non, ça le pose en l'air, je veux dire. Oui, bah c'est ça, c'est normal. Bah c'est con. Mais les plaques de pression, c'est un... J'ai pas compris ta blague. Bah en fait, les plaques de pression, c'est pour qu'on marche dessus. Bah oui, mais donc,
Et moi, je peux rien poser alors. Bah voilà. J'ai enlevé une plaque de pression. Donc tu dis comment on fait un escalier? Bah tu formes. Oh wow, je lag totalement. Ah tu vois, tu fais un escalier avec. Voilà. La main. Par contre, c'est vrai que utiliser des plaques de pression comme décoration, c'est petit. Enfin, chacun son style après. J'essaie de par tous les moyens de faire un escalier. Ah voilà. Oh putain, ça en s'en est beaucoup. Voilà, des escaliers. Bon, maintenant je sais comment faire. Maintenant, on va falloir que je fasse un toit comme ici. Ouais. Du steak chauffé. Il suffit juste de prendre une vache, de l'emmener sur le truc à rôtir, et puis c'est bon. Merde. Bon, je ne sais pas du tout combien de temps va se dérouler la vidéo. Je te dirai pas du tout que je suis en train de faire le con. Au sens propre du terme. Moi qui pensais qu'on allait faire les maisons au tour suivant. Bon, c'est pas grave, on va faire ça maintenant, comme ça c'est déjà fait. Bon, oui, le bois que vous avez vu arriver ici, c'est Dark Blood qui s'était mis en cachette pendant que moi j'ai dû partir. Il y avait trop de monstres et je me fais tuer tout le temps. Du coup, bah, j'ai fait une cachette. Par contre, ça va dire le nombre de morts. Oh non, je suis mort trois fois. Prestige, t'as combien de morts? J'ai pas compté. Dans mes souffles. C'était 9 et 8. 9 et 8, ouais, à ce moment-là. Bon, t'as une onzaine de morts. Bon, alors on va dire que ça compte pas. Comme ça, les 3 morts qu'on a pas vus, comme c'était hors vidéo, c'est pas trop grave. J'ai envie de dire, à ce niveau-là, ça sert même plus à rien de compter les morts. Ouais, c'est vrai, ça. À ce niveau-là, le truc est mort. Bon. Pratiquement enlevé toute la boue. Alors, le forum, on fera certainement au prochain épisode. Alors, j'ai pas beaucoup. Je vais vite rappeler. Alors, je lag comme un fou. C'est un truc de malade. Et je vais manger en même temps du steak. C'est certainement bien plus nourrissant que des carottes. Et j'ai encore une fois fait un screen. J'aime bien faire des screens. Un jour, tu me gardes en les screens que tu auras fait. Moi, je dois être une cinquantaine sur mon monde. Ça se compte plus. Alors, ça se compte plus. Alors oui, les outils en fer qu'on avait fait au départ, ouais, ils sont là. Je les ai mis sur les plaques. Alors d'ailleurs, on a combien de cuir? On en a qu'un seul. Alors le cuir, on va aussi le ranger parce qu'on doit faire une salle d'exposition où on va mettre tous nos trucs dans des tableaux. Et le cuir sera très utile. Des tableaux. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Ah oui. Ça va pas être possible. Il y a plus de bois. Encore quelques. Il faut au moins un stack de bois encore. Ce que j'étais parti faire. Alors, désolé pour les lags de malade. Mais là, le craft galère totalement. Oh là là. Je vais devoir aller rechercher. Et je pense que si je veux mettre des trucs dans ma maison, il va falloir que j'enlève mes plaques de pression. Ouais, t'as intérêt. Faudra aussi se faire un lit. Je pense que là, j'aimerais faire un sol quand même dans ma maison. Je vais chercher rapidement des moutons. Parce qu'il faut rapidement se faire un lit. C'est vraiment le truc maintenant qui devient primordial. Parce qu'on se fait one shot à cause des monstres. Pourquoi les moutons? Parce que les moutons donnent de la laine, et cette laine en fait bah, permet de faire des lits, et ces lits, bah, passer la nuit. Ah d'accord. Ouais, c'est primordial, ouais, prends des lits, fais des lits. C'est pour ça aussi, la dernière fois, quand je t'ai expliqué... Oula. Je t'ai expliqué, ça servait à rien de tuer les moutons. C'est tout à fait normal. Viens choper de la laine. Hein? Viens choper de la laine. Voilà, ça sert qu'à ça. Par contre, c'est normal que mes deux workbench, enfin mes deux établis ne sont plus là. C'est peut-être parce que j'en ai posé un chez moi et que le deuxième je l'ai sur moi. Bravo. Donc, bah attends, je te le redonne l'établi. Mais non, c'est vrai. Ah non, c'est deux établis là, oui.
ça a apparu tout d'un coup. Si tu veux, je pose des tapis quelque part. Bah à l'entrée, s'il te plaît. Ou alors, t'as des trucs qui apparaissent. C'est ici l'entrée. Hein. C'est pas grave. M'en fiche, j'ai miqué. Bon, je vais devoir tailler. Bon, encore une fois. Alors j'ai des lags qui font que il y a deux blocs qui se mettent en un seul. Ça devient assez. Et je vais prendre une lance en bois pour accélérer un petit peu. C'est pas grand chose, alors, mais c'est mieux que rien. Si vous voyez bien, il y a deux blocs qui se mettent en un seul. C'est un peu pénible. Mais je peux pas faire exprès. On va tendre toute cette terre. Ah mais il y a beaucoup d'arbres ici. Ouais, et ça c'est pas normal que je galère à ce point là. Oh là là. Alors ça fait par deux morceaux. Donc j'ai intérêt à mettre l'un à côté de l'autre pour voir. Alors ça a totalement pris. Ça fait plus que ça faisait tout à l'heure. Est-ce que c'est le fait que j'ai enlevé les hautes herbes? Parce que justement, depuis que j'ai enlevé les hautes herbes, il y a beaucoup d'arbres. Non, c'est moi qui les ai postés. En fait, c'est ce qu'on appelle maintenant la zone arboricole. Donc c'est là où on va avoir tous nos arbres. Et puis ça va être utile. Ouais, j'ai déjà plus de bois. Attends, je refais mon plein de bois là. Je tombe dans l'entrée en plus. Eh mince, ça continue de ramer hein. J'ai des effets où ça, je poste deux trucs en un seul. Bon, je vais essayer d'aller chercher un stack de bois. Des moutons. Alors par contre, les moutons, comme on peut pas utiliser le fer maintenant, bah... Je vais refaire des essais. Alors, je sais pas où est-ce qu'il y a... Il y a plein de cochons, je pourrais faire aussi à venir les cochons, sauf que les cochons ça donnera pas grand chose. Je pense que je vais surtout les tuer si j'en croise énormément. Ok. On fera une battue de cochons. Encore des vaches. Alors les vaches par contre je vais les tuer. Par contre parce que j'ai besoin de leur cuir. Oui sûr. Rien de cuir, peu de cuir. Ah, je veux pas le poser là. Pas de cuir. Ah, voilà. Alors, je suis à 3 de cuir. Bon, ça va aller, hein, ça va être assez rapide. On va pouvoir poser l'épée en fer et la pioche en fer qu'on a gagnée. Oupi. Et le ranger. Qui prend la pioche, qui prend l'épée? Personne. Ils sont rangés. Alors là par contre j'ai l'impression que je vais me perdre. Si je m'éloigne trop, le fait que j'ai un PC qui rame assez fort. Je pense que je vais finir par me perdre si je m'éloigne trop. Je pense qu'on est parti par là. Bon, j'ai pas trouvé de mouton. Alors, s'il faut, on trouvera un mouton lors d'un prochain épisode. Il va falloir que je fasse de cette manière, sinon ça va pas le faire. Ah oui, c'est normal que vous voyez, là, ça commence déjà à laguer comme pas possible. On va au moins essayer de finir les maisons, et puis après, on va dire au revoir à nos viewers. Ça se dit comme ça? Nos viewers, ouais. Viewers. Oh là là. Sinon, je sais pas, tu sais quel type de youtubeur qui font des vidéos de Minecraft? Non, ouais. T'en suis? Non, mais tu suis qui, plus ou moins? Les youtubeurs qui font des vidéos Minecraft. Ouais. Attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. Ah, merde, j'en regarde Fantoy Bob Lennon, déjà. Ouais, mais... Fanta et Bob Lennon, c'est le classique. Ce sont les héros de Minecraft.
Et de tout et de plein d'autres jeux d'ailleurs. Pour moi, c'est mon idole. Surtout Fanta. Lequel? Moi, c'est surtout Fanta. Bob Lennon, c'est le mec que j'aimerais bien copier. Mais Fanta, moi, je trouve génial. Il a beau failer hein, cette suite de faire des petites erreurs. Mais tu sais, j'en fais énormément. Moi aussi. Donc on ne peut pas ne pas aimer Fanta. Moi je préfère plus Bob Lennon du fait qu'il a. C'est un énorme malade. C'est. Oui oui. C'est vraiment un fou de chez fou. C'est vraiment quelqu'un qui joue tout sur l'humour. Il a vraiment un humour à lui, mais il sait. Mais il y a des petits moments, il sait des fois rester sérieux. Il y a des trucs qui le touchent, il y a des trucs où il a envie de parler sérieusement, il y a des trucs qu'il aime bien rigoler avec. Bref, il sait bien manipuler l'humour et la sincérité. Ouais, c'est vrai. Alors moi, d'un niveau humour, là, ces temps-ci, Bob Lennon, il a balancé un truc lourd. Le mamelou. Le mamelou. Avec leur épisode sur les wakas. Ouais. Le mamelou de l'amour. Ah ça ouais, c'est bien un truc qui m'a fait marrer. Ah ça ouais, le lait de femme. Il faudrait encore tu sais, des sacs de bois encore. Et je n'ai plus sur moi. Moi je suis à 26. Je suis à deux stacks. On ne s'y retrouve plus. Ouais. Nom de Dieu. Un arbre complet, je trouve ça doit faire. Ouais, je crois que c'est assez. Moi j'avais plus ou moins prévu quelque chose pour ma maison, mais le lag fait qu'on va peut-être pas tarder à arrêter la vidéo. Sinon ça va pas aller et ça va pas être intéressant pour nos viewers. Tu permets que je finisse ma maison? Bah oui. Et je rentre à ma maison. Oui, le truc de Fanta là. Non mais même en général, ça se part en général. Ouais, non mais moi j'ai regardé ces vidéos, moi je suis mort de rire. Alors j'ai aussi l'autre vidéo de Fanta que j'apprécie énormément. Banishid. Alors ouais, c'est une des dernières vidéos que Fanta a fait. Qui a commencé aussi une autre de ces dizaines et des dizaines de séries qu'il a commencé à faire. Mais alors Banishid, moi, m'éclate. Le fait que t'as toute une population qui meurt, mais bêtement. Enfin, là encore, il a quand même très bien géré, hein, je peux pas dire le contraire. Il a 8 épisodes, 13e année. Il a eu que des morts par pratiquement. Je pense qu'il n'y a que des morts de vieillesse. Et c'est un jeu qui est en temps réel très très dur. Alors ça je peux le dire, il est très très dur. Et il gère. J'ai cassé mon bâche en bois. Encore. Aïe. Alors ouais, pour ma maison, je vais faire les fenêtres plus tard. Une fois que j'aurai fait un peu fondre le. Enfin, je peux même pas faire de fête le matin en fait, comme je pense. Et je sais pas, si j'arrive à trouver un autre bois, je vais essayer de me faire une toiture différente. Moi j'ai quasiment fini ma maison. C'est sûr que niveau architecture, nos maisons, c'est un peu comme un peu le début de la maison en bouse. Un peu amélioré parce que maintenant, c'est en bois. Ah là 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 là, les lags. Ah! Quand est-ce que c'est fini? On peut faire une terrasse. Moi j'ai prévu une bien plus grande maison que ça va être en fait une partie. J'ai même prévu un peu pour éviter,
je vais faire la maison un peu en l'air. Ici, en fait, ça va être toute une grande baraque un peu tenue un peu en hauteur. Je vais certainement faire aussi un petit surplus ici où je vais devoir bouger un peu les vaches. D'ailleurs, je vais en faire des petits. Repeuplement, ça y est. Alors aussi le but aussi, c'est pour moi, surtout pour moi, je sais pas si Dargod va faire la même chose, ce sera aussi de... Ah, il y a déjà les... Les zombards. Ouais. Ce sera de finir les achievements. Donc moi je vais retourner à ma baraque, et je vais rapidement faire ma porte. Semble avoir fini. Ah non. Rapide, hop, oups, voilà. Bon, on n'aurait pas fait grand chose en fait aujourd'hui. Ah, je vais prendre quelque chose. Ah, papa, le panthéon, le quoi, quel panthéon, qu'est-ce que c'est, le panthéon de notre mort, le panthéon. Précis, il y a à côté le pantalon. Le pantalon, ouais. Il y a un zombie qui veut essayer de me choper, mais faut qu'il y ait l'abri. Il n'y a rien à manger là-dessus. Ah ben non, je suis con, j'aurais dû rester ici comme ça. Moi je sais pas pourquoi je casse un peu ici et c'est ça sur le coup. Je pense que ouais, ce sera très bien ici en fait. Et on va peut-être se laisser. Alors je sais pas du tout combien de temps la vidéo va se faire. Moi j'ai fait un beau toit, et j'ai bien aimé mon toit. Oh, mini zombie. Pour la prochaine vidéo, bon, espérons que ça va moins laguer, donc je pense que ce sera un peu plus longtemps, parce que ça va être notre dernière, dernier épisode de notre session qu'on a commencé. Alors, bon, on va faire ça comme ça. Je vais rester par des mots. Hop. Et hop, pour le panthéon, et on va utiliser... On va peut-être que j'enlève mes blocs de peau. Utiliser un. Aïe! Pour faire la deuxième place. Mais ah! Alors, si vous avez bien vu, j'ai évité une flèche, mais de justesse. Moi, c'est les mini-zombards que j'arrive pas à. Tant qu'ils sont attirés par toi, ça me va. Je sais, c'est méchant. J'ai bien fait, bande de saloperies! Non, laissez-moi rentrer dans ma maison. Non, mais. Ah! Le mini zombie, c'est J'ai oublié de marquer le nombre de morts. Mais que j'écrirai dans ma maison. Alors je sais, c'est pas du tout prudent. Non. Il est à 9 morts. Non. Oui. Je pense à peu près. De toute façon, vous mettrez des commentaires. Ah non, il vient d'en perdre. Il est déjà une 11 morts, si j'ai bien compté. Non. Ouais, à peu près. Il y a un squelette qui a élu domicile dans ma baraque. Un zombie qui m'agresse encore une fois. Oula. Oui, le 1. Un creeper devant ta maison. Tant que tu le fais pas péter, ça me va. Bah. Il va péter les vaches sinon. Mais laisse-le, t'inquiète. Je vais m'en débarrasser plus tard. Ce que je vais faire, c'est vous, madame. Laisse-le. En sol, le squelette, tu dégages. Mort encore. Ok. Et à mon tour de mourir. Ah non, c'est un squelette, ça. Bon, ça va pas être. Oh, je vais mourir. Voilà. Creeper. Ah. Bon, je suis mort. Pardon. Laissez-moi passer. Je devrais investir dans un toit quand même. J'ai pas eu le temps. Alors. Waouh. Mais c'est zombie épidémie. On est en plein dans Hunter Z ici. Waouh. Bon, 9 morts. Alors, je sais pas pour vous. Mais au prochain épisode, il est prévu. Rien à faire. Nous allons
nous allons. Pardon, parce que j'ai eu très peur ici. Ah, je suis tranquille ici. Dans la baraque. Nous allons torcher la. Torcher la zone. Oh putain de squelette à la con, dégage. Bon. On va finir la nuit. À l'aide. Le nombre de morts, c'est horrible. On est qu'en normal, c'est vraiment pas possible. Waouh. Et je l'ai tué avec de la chair putrifiée parce que j'en ai rien à faire, je suis mort. Bon, je crois qu'on est à peu près à égalité. Ah non, toi t'es à 12 morts, je suis à 10 ou 11. Bon. Donc, ce qui est sûr, c'est que je suis à l'abri. Oh là, le trou. Ouais, ok. Il y a un bombard qui essaie de péter mon mur. Alors, je sais pas ce que c'est ici. Mais on dirait une maison qui n'a pas été construite en entier. On va fouiller ça au prochain épisode si vous voulez. J'ai 4 panneaux. J'ai 4 pancartes. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est parce que j'étais en train de faire le pantalon quand je me suis fait attaquer. Alors, j'ai tout ramassé. Ok, donc. La nuit est terminée, faut que je crée ma maison, j'ai toujours. Tu es terminé ? Ouais. Oh, je vais pouvoir sortir. Alors on va écrire le nombre de morts. Alors, pour qu'on trouve une mort, tu fais 6. Tu te fais attaquer par un. 6 planches. Ouais. C'est comme ça. Bon. Je sais pas, mais. Ton skin il bug là non? Ou t'as changé les trucs? Non, j'ai rien changé sur mon skin. J'ai l'impression que ton creeper de derrière toi, ton visage de creeper est devenu blanc. Bah non, il était blanc ou pas avant? Hein? J'ai cru qu'il était rouge. C'est pas grave. Voilà, une petite porte, ça fait toujours plaisir. Alors, bon, par contre, moi je vais. Ah mince, j'ai pas de. Bon, c'est pas grave. Bon, encore une vidéo totalement failesque. C'est ça ? Mes excuses. Hein. Ouais, on va s'améliorer. Hein. On est dans les débuts. Enfin, surtout pour Dark Blood, il est dans les débuts. Moi qui est quand même un an. Je sais pas, mais je suis au début. J'ai l'impression que ma maison a plus de gueule que la tienne. C'est normal, la mienne, j'ai pas fini. Non, 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 les vaches, ils vont se barrer. Remets-les. Mon Dieu. Ils peuvent passer au-dessus. Hein. Ah! Dégage, Encore! Voilà, c'est bon. Les vaches sont pas connes. Rentre à la maison, voilà. Bon. Je vais taper la vache, elle veut se barrer. Non, t'inquiète. Bon. On va arrêter la vidéo ici maintenant, sinon ça va être trop long. Je pense qu'on va arrêter. Alors, j'ai jamais vu des épisodes aussi fanfaronnesques que les nôtres. Parce que c'est vraiment le total délire, on est totalement éparpillé, on sait pas quoi faire, les maisons y ressemblent à rien, je rigole. Enfin pour moi, pour le mien, oui. On sait pas jouer, on fait n'importe quoi, on sait même pas parler, on sait rien faire. Bon, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure on va s'améliorer. Donc, on est con, mais ce qu'on sait au moins une chose, c'est qu'on est fiers de l'être. Ouais, tout à fait. Donc prochain épisode. Au prochain épisode, on va finir les maisons et on va finir d'améliorer le forum et nous allons commencer à faire le. Ce que nous devons faire, c'est un moulin et nous devons nous faire un hall d'exposition. Donc un petit bâtiment où on va mettre tous nos armes et ainsi de suite, tous nos outils. Hein ? Ouais, au niveau du toit de ma maison, tu peux essayer de faire un plongeoir, c'est rigolo. Vas-y, éclate-toi la figure. Vas-y, non, juste pour la fin de la vidéo. Il faut que je construise un plongeoir et il faut que je saute dans l'eau. Ah, c'est un peu loin. Bon, allez, c'est pas grave. À partir de ma maison. Oh, t'inquiète, on va faire un petit truc et on va s'éclater, t'inquiète pas. Bon, allez, ciao à tous. Ciao.